Hey, salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un épisode de Phasmophobia après la nouvelle mise à jour, incroyable refonte du jeu. Vous allez voir, on est sur une équipe de 4 avec les amis du Discord. C'est vraiment impressionnant et ultra flippant, bien plus flippant qu'avant. Bordel de merde, aïe aïe aïe. Allez, c'est parti les amis, on est prêts. On va sur la difficulté, évidemment, hein. Asile direct. Mon dieu. Alors, je sais pas si vous pouvez le voir déjà direct, mais très clairement, en termes de graphisme, c'est beaucoup plus beau. C'est bien plus beau, ça a été vraiment bien optimisé. Et puis, vous allez voir, il y a eu une refonte des objets. Les objets sont complètement différents en termes d'image, hein. Et il y a un nouvel objet qui va permettre d'identifier quelques nouvelles entités. Donc il y a deux nouvelles entités, si j'arrive à les trouver dans le bouquin. Donc il y a le Milling et le Gorio, deux nouvelles entités. Et donc le nouvel objet, c'est le Projecteur Dots. Qui permet de faire donc du coup une lumière verte et de laisser apparaître un halo blanc. Et ce fameux halo blanc, donc c'est l'entité en fait qui passe dans la lumière du dot et qui permet donc du coup d'identifier l'image. Voilà, c'est assez technique. On peut le voir qu'à travers une caméra qu'on pourra du coup regarder sur l'écran. 1-2-1-2. 1-2-1-2, oui, ça y est, vous êtes arrivé, je vous vois. Oui. Dites bonjour à YouTube. Que YouTube. Oui, bonjour. Oh. Bon. Le fantôme, il s'appelle Thomas Thomas. Oh bon non matin, Thomas Thomas. Bon matin, le fantôme. Oh, Thomas Thomas. Que les noms sont merveilleux dans ce si beau jeu. Michael Jackson. Alors vous avez vu, hein, la... Oui, je l'ai eu. Les objets. Je peux confirmer qu'il l'est sur Phasmophobia. On a des orbes. Non. Quoi? Ah non, je niaise. Ah putain, le petit niaise, quoi. Bon. Ah mon dieu, mais on voit encore moins derrière les caméras. Alors, hop, on prend les caméras. Donc vous avez... Je suis en train d'expliquer la refonte des objets, comment c'est vraiment beaucoup plus détaillé qu'avant. En fait, ça fait moins cartoon, ça fait beaucoup plus réaliste, je trouve. Vraiment. Voilà, vraiment, vraiment super. Donc, moi, je vais partir avec un EMF et une caméra sur un trépied. Voilà. Parfait, je vais prendre un EMF et... une caméra rendue là. Moi j'ai une parabole et un thermomètre, alors je sais pas qui va être avec moi. Vas-y, je viens avec toi, bon matin. Chef, oui chef, Gizmo chef, oui. 3, 2, 1, c'est parti. Bon ben, Phil. Vu que tu connais pas la parabole, je vais te... prends la parabole? Non, je vais te laisser le MF. Ok. Chef, ça oui, chef, on va où, chef? Ah, vas-y, je te suis. C'est toi qui as le thermomètre. Parfait. On va laisser ça là. Je vais prendre un livre au pays. Sale ambiance, hein. Ah, merde, mon livre. Avez-vous pris... Thomas, Thomas, parle-nous. À gauche. Thomas, Thomas, parle-nous. Thomas, Thomas, fais un bruit. Juste aviser, mais quelqu'un active des breakers. Thomas, Thomas, parle-nous. Thomas, Thomas, Thomas. Attends, j'ai eu 3.5, tu sais. Ah, t'as eu 3.5 là? Donnez-nous un signe. Êtes-vous ici?
Êtes-vous proche? Non, il devrait pas être ici, là j'ai eu 8. Esprit, Thomas, es-tu ici? Thomas. J'ai entendu une porte, je crois. Ouais, je crois que c'est en bas, j'ai eu 3.5, j'ai même eu 7. Puis on a rien dit, puis on a pas bougé. Ouais, mais c'est ça. Alors si, aussi le changement qu'il y a eu, c'est qu'on peut sprinter, voilà. Donc il y a un vrai sprint de quelques secondes. Avec un cooldown de stamina, de récupération de stamina, qui est également un peu plus long. Père, on va aller voir en bas tout de suite, Gizmo. Ouais, je suis derrière toi, je te suis. Oh, fuck. Attends, je suis comme perdu, là. Ah putain, moi je suis perdu, je ne sais pas du tout. C'est clairement l'une des maps que j'ai le moins fait. Ça ici, c'est le camion ici, Gizmo. Ouais, ça je vois, d'accord. Il est parti où? Là. Les toilettes sont là, fait que normalement ils devraient être à l'autre côté des toilettes. Pareil, hein, l'ambiance sonore a été vraiment améliorée. Si on arrive à entendre le fantôme, vous allez voir, c'est ultra flippant. Ça c'est côté, ça veut dire que c'est à gauche d'ici. On est paumé. Non, ça va être ici. Au secours! Pourquoi? Ah bah on j'ai est perdu un peu perdu. Des bécosses. Ah c'est ça, c'est ça. Je me suis retrouvé là. Ah, nickel. Thomas. Putain, le Thomas quoi. Thomas, vous verrez une porte. Les breakers sont pas au sous-sol. Et j'ai entendu un téléphone à ma gauche. Ah, je suis pas entendu, tiens. Thomas, es-tu ici? Y'a pas de téléphone, je t'ai appelé pour vous dire. Oh, y'a l'os ici à terre. Ah, ouais, j'ai. Rappelle-toi, il est où? Ben, il est en bas. Ouais, mais où en bas? C'est ça? J'ai entendu une porte derrière nous. J'adore ton... Go, on va aller voir. Il me semble. Thomas. La porte est ouverte, elle était fermée là-bas. Non, je pense... Ah, il y a une porte ici ouverte. Ouais, tu vois. Thomas. 5.4, si. C'est bon. C'est bon, on a trouvé, hein. Thomas. Au sous-sol. J'ai eu 12.5, si. Ici. Peux-tu être plus précis? Sous-sol à droite. Donne-nous un signe. Ah, putain, c'est une grande salle. Ah. Où es-tu? Ah, bah, ils sont juste là. J'ai eu un... Vas-y, j'ai pitché. J'ai pitché le MFA au sol. C'est bon. Coucou. Ah tiens, on se retrouve. Eh, le comment t'as dit coucou, c'était exactement le coucou. Tu veux je voir sais, ma... Je sais. Je sais, c'est pour ça. Ah, dans la vidéo, ça va être génial. Ah oui. Ah c'est cool. Bon, ça. Faut remonter, ouais. Hein. Thomas, es-tu ici? Je te suis, je suis complètement paumé. Thomas, bah oui. Thomas, viens. Ah, j'adore quand tu sprintes. Mais c'est tellement élégant. Oh, oh le faux sprint. Ah, EMF5. EMF5, ouais. Parfait, ça.
Alors pareil, une grosse nouveauté qui rend vraiment le jeu beaucoup plus difficile et beaucoup plus aléatoire, je trouve, c'est que lors d'une attaque, donc évidemment l'entrée se verrouille, ça c'est comme d'habitude, sauf bon, que la... J'ai soufflé. Ouais. Sauf que la lampe ne clignote plus. Ça va, Gizmo? Ouais. Ouais, je suis en train de parler à YouTube, t'inquiète. Ah d'accord, excuse. Et en fait, la lampe ne clignote qu'à proximité de l'entité. Ce qui rend vraiment le truc ultra flippant, encore plus. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un appareil photo. On va prendre un crucifix. Je peux aussi prendre le sel. Je vais prendre le sel d'abord. On tourne autour de 60 en santé mentale. Oh, ça va. Ok. Je prends le sel. D'accord. Il n'y a pas d'orbe. Je répète, il n'a pas d'orbe. Dans la pièce. Oui, dans la pièce, évidemment, dans la pièce. Je prends le thermomètre pour voir s'il y a température glaciale. Moi, j'ai un dot et une lumière à speu-speu. Ah oui, la fameuse El Famoso lumière à speu-speu. Vous avez déjà pris des livres ou pas? Oui, il y en a un. Oui, il y en a un. Ouais. Oui, il y en a un. Ok. Et un truc d'autre? Je l'ai. Ok, ben... Ah, du coup, ça va vous permettre de voir ce que fait le dot. C'est un effet de lumière qui est excellent. Les effets de lumière ont été vraiment améliorés. Tout ce qui est la lumière à speu-speu, la lumière ultraviolet est vraiment belle. J'ai pas entendu ce qu'il a dit. T'as dit quoi? J'arrive. Ah. Ce qui est bien, c'est qu'on entend le... Ah, ça ouvre les portes. Ça ouvre les portes. Gizmo? Tu sais quoi? Ouais. Disco! Wow, oh yeah! Bruh! Oh bah d'accord, il a marché instant! En pointe, tu me suis à côté de ma gueule! Il a marché instantanément dans le sel. Mais t'as-tu vu le sel? Qu'est-ce que ça fait? Ouais, ça fait une petite pouf. C'est cool. Bah oui. Ah, viens ici. 3 degrés de température ambiante. Bah, on a pas allumé le chauffage encore. Oh. Vous avez entendu? Oui. Bah, il était là. Donc ça fait partie des nouveaux sons, ça. C'est assez flippant. J'ai quoi moi? J'ai une lampe. Je rêve, ici il fait plus chaud. Quelle aide. Ouais, t'as pas. Ah oui, ah oui, il marche direct. Il est vénère. Ouais. Alors en fait, quand j'ai regardé, c'est vrai qu'il y a. Speu-speu? J'ai pas vu. Je vais aller voir pour le dot. Il y a pas de speu-speu? Qu'est-ce que tu racontes? Ben oui. Ben il y a pas d'empreinte. Ah bah je les vois pas moi. Bon bah c'est pas grave. on va faire. Aller voir aussi. L'autre côté peut-être. Ah j'ai regardé il y a. Ouais. Sa lumière. J'aimerais bien le prendre en photo putain. Ah. Ah. Ah d'accord. Ah il t'a voté les gueux. T'es mort, Kani? Ben non. Je l'ai entendu loin. Bon. Je m'en vais au camion voir... Thomas, peux-tu écrire dans ce livre, s'il te plaît? Thomas, écris dans le livre. Tu
S'il te plaît, Thomas, Thomas. Écris Thomas, dans Thomas, écris dans le livre. S'il te plaît. Putain de Thomas, bordel. Thomas. Thomas, Thomas, es-tu là? Là ou là. La porte qui bouge. Es-tu là? Ok. Y'a-t-il quelqu'un ici? Gizmo, tu sais que je t'aime. Mets tes fesses devant la caméra, je vois rien. Elles sont belles mes fesses, bordel. Il y a bien une empreinte sur la porte. Je répète, il a une empreinte sur la porte. Mais oui, ah, elle est en bas. On a comme trois photos d'empreintes digitales. Putain, j'avais pas vu qu'elle était dans... J'ai la photo du fantôme. Bonjour, Thomas, Thomas. Que vous avez de belles dents. Oh là là, oh Thomas. Putain. Ouah, les photos qu'on a faites sont parfaites. Lâche la porte, fantôme. Ok, à l'aide. À l'aide. Ah, il a même fermé la porte quand il est sorti. Il est vraiment gentil ce mec. Donc là, il attaque. Franchement, super sympa. Donc là, il attaque. Par là. Waouh, je cours. Je cours, arrêtez d'appuyer sur la radio. À l'aide. Ah, vous entendez, je m'essouffle. Donc là, je peux plus courir. Là, je peux courir. Et j'espère que c'est bon pour eux. Je peux. Oh putain, je peux pas. C'est fini. Ah, c'est fini, c'est bon. Oh mon dieu. Oh. Il s'est calmé ou pas? Ouais, il s'est calmé. Ouais. Oh, parce que j'ai couru pour ma vie, moi. Tu l'as pas vu, du coup, dans le dot? Non, aucunement. Mais remarque que vous étiez toutes devant. Mais bon. Alors voilà, le dot, ça fait les lumières blanches et normalement on voit une silhouette blanche passer. Bon là, visiblement... Alors il faut attendre un peu. Clairement, ça met un peu de temps à proc. Là, visiblement, ça a l'air d'être... de ne pas être le cas. Ah, il n'y a rien. Bah attends, tantôt, il a fallu... J'avoue que tantôt il y a pas. Tu en as 31, Phil. Oula. Mais tantôt ça avait pris du temps avant qu'on le voit. Ouais, je sais. Vous pouvez me dire où je suis parce que je sais pas trop, je suis un peu perdu. Ouais. Ok. Là, tu vas avoir un couloir à ta. Gauche, tu vas le prendre. Ouais. Tu vas aller tout au fond. Ah, je vois quelqu'un. Bon. Ah ouais, j'ai fui un peu de l'autre côté au cas où. J'ai préféré qu'on se sépare, c'était mieux, mais qu'il me suivait moi, mais il m'a pas eu finalement. Du coup, on a quoi, empreinte digitale et c'est tout? MF. Ah oui, exact. Alors c'est soit un jean, un O, oh, ça peut être un... On a un EMF Gorio, 5. Un Milling. Oh, c'est potentiellement un nouveau... Putain, ça peut être cool, ça. Écriture fantomatique. Ou DOT. Et l'autre, c'est quoi? J'ai pas vu. Poisson rouge marne. Un jean. Alors pareil, ça aussi, je l'ai pas dit. Tiens, il attaque une nouvelle fois. Toutes les preuves, donc toutes les trois preuves au niveau des anciennes entités ont été modifiées. C'est plus du tout les mêmes. Donc ceux qui connaissaient par cœur, machin, bah du coup, ça donne. Donc on a le choix entre température, dot ou écriture. C'est clairement pas température. Moi j'ai pas eu température glaciale.
Parfait. Donc c'est les un des deux. Oh, bah ça a pas l'air d'être le dot. Donc je remène un livre. Sont en attaque. Je m'en fous. Oui, mais c'est parce que moi, bon matin, le fantôme entend dans son casque. Kyo, tu là. Oh, c'est bon, putain. Fait que je crois que je te parle, mais plus. Sans trop parler. Je me suis caché, je me suis caché toilette dans le vrai film d'horreur. Je suis là, me voilà. Et j'entendais des trucs bizarres. Donc, je prends une pilule. Hein. Donc on a le choix entre écriture. Oula, j'en prends une aussi. Oh, attends, oh, les antidépresseurs pour qu'ils marchent là. Je vais poser un livre supplémentaire. Ouais. On va poser un livre supplémentaire. Par contre, je suis... Ouais, d'accord. Je suis un peu paumé. Là-bas ? Je sais pas où c'est. C'est là, hein. Je suis perdu. Lol. Donc le Mingling, ses forces uniques sont connues pour être silencieux lors d'une chasse. La faiblesse du Mingling émet plus de fréquences de sons d'origine paranormale. Ah, c'est probablement ça. Pour le Goriot, la force unique ne se montrera généralement à la caméra que s'il y a personne à proximité. Les faiblesses, on les voit rarement loin du lieu de leur décès. Ok. Je pencherais plus pour un Mingling, là, pour le coup. Wow. Wow. Vas-y, Nick. À l'aide. Je suis complètement... je sais pas Gizmo. Où il faut aller. Bon, viens-t'en. Viens, on va suicider tout le monde ensemble. Oui, vas-y. Parfait. Putain, je suis en PLS. Je sais pas, je voterais bien pour le Mingling, moi, non? Écriture fantomatique, ouais, moi aussi. Dommage. Mais encore là, c'est peut-être le dot, puis on le voit pas parce qu'il sort de la pièce et non qu'il se promène dans sa pièce. Ah ouais, peut-être. Hop. Oula. Oh putain, il m'a fait trop peur. Putain, tu m'as fait trop peur, bon matin. Si on en mettait un à l'extérieur de la pièce pour voir. Ouais, voilà. Avec la caméra qui regarde. Ouais. À l'extérieur. Voilà. Ouais, nickel. Bon. Ok, y a pas d'écriture. Oh mon dieu, il est trop... De quoi? Viens voir le crucifix, Gizmo, il est tout rouge. Oh, waouh. T'as vu? Regarde. Oh, putain, bien. Regarde le les feu mains. Des enfers. Viens voir. Ah, et puis il brille dans le noir, ça c'est cool, putain. Bah oui, il est fluo. Où es-tu? Donne-nous un signe. Il a mangé le crucifix. Oui, clairement. Ôtez vos lumières, s'il vous plaît. Je regarde dans la caméra présentement.
Oula. T'es sûr là? Putain. Vas-y, je me casse, je peux plus. Je vois rien au à la caméra. Ouais, ça passe pas dans le dot. Ok, ça attaque. Oh, et l'autre il fait des bruits de ouf. Oh mon dieu, putain. Oh, vous entendez les bruits? Oh putain! Me faire défoncer! C'est bon? Non, c'est pas bon. Oh non, il y a bon matin qui s'est fait. Bon matin, il s'est fait tuer. Putain. Bon matin s'est fait tuer, je crois. C'est pas moi. Ah merde. Non. Phil. J'avoue. Prenez peut-être le cadavre en photo. Ouais, bien placé ma caméra. Bah ouais, pourtant là. On a ramassé l'os, je sais plus. Bah moi je sais pas, il est où. Ah merde. Ah. Putain. Oh, regarde la caméra. Oh la vache. Putain, l'effet, elle est trop bien, putain. J'espère qu'il va pas se faire rectifier la rondelle. Ah, mais c'est trop bien. Le gros avantage, c'est que ça le fait que quand l'entité est à côté. Oui, c'est ça. Et là, elle est encore en donc, attaque. Donc là, faut attendre que la chasse a fini pour regarder si c'est pas un dot. C'est ça. On a fait tous les objectifs. Non mais c'est clairement un milling. C'est bon. Tu viens, Kenny? J'ai tué mon copain. Oh non! On a parlé pendant la chasse, puis son micro a capté que je parlais. Ah bah GG. Et ça l'a attaqué. Ah oui, la petite... bah, je sais pas si c'est une nouveauté ou si ça le faisait avant. Mais effectivement, même le micro éteint dans le jeu, l'entité entend okay, quand ouais. même. Bon bah let's go. Oh non, j'ai ouvert le... Ah mon chicabab. Là, j'ai pas d'appareil photo pour le cadavre. J'en ai un, moi. Il a plus qu'une photo, lol. Y'a plus d'appareil photo. Putain, au secours. Bon, vas-y, je vais me recroqueviller dans un coin, lol. Putain, l'aide. Oh, au moins, je suis loin du truc.
Ah, apparemment c'est bon. Toujours en vie? Ouais. Là, l'os, vous l'avez trouvé à votre gauche. Il me semble, ouais. Mais il était déjà en bas. Hein. Donc l'os en bas à gauche. Il y en a en salle des pièces en bas à gauche là. On va se faire défoncer. À l'aide. Là, faut aller chercher une petite minuscule écriture. Et là, en fait, c'est pas ça, et on se trompe depuis tout à l'heure. Bon, l'os. Il doit être par là, je crois. Et là! Oh, bâtard, il attaque. Oui! Où es-tu? Allô? Oh non. Oh non, je suis tout seul. Il n'y a pas d'écriture. Non, laissez-moi. Il n'y a pas d'écriture. À l'aide. Oh putain. What? Oh putain. Une bande d'enfoirés. Mais y a pas de. Oh mon dieu. Je vais crever. Terrorisé. Non. Salut. Ça a l'air d'être bon. Vas-y, je vais remonter.
que je retrouve mon chemin maintenant. Voilà. Il a pas écrit dans le livre. Il y a deux livres, il a jamais écrit dans le livre. Alors est-ce que c'est le DOT? Putain. Je vais essayer de regarder le DOT. Non mais va te faire mettre. Il est vénère. Putain. Pour le coup. Ok, c'est bon. Bordel de merde. Je le vois pas. J'ai que cette caméra là. Je vois rien. Je vois rien du tout. Je vois pas. Je vois pas le. Si c'est bon! Je l'ai vu! Vous avez vu? Ça a été ultra furtif. En fait, il faut pas mettre. Oh putain, c'est le DOT. Vous l'avez vu, c'est obligé. Repasser, ça va être long si jamais j'attends encore une fois, mais repasser le moment de la vidéo, on voit une ombre rentrer dans la pièce et ça va très vite. En fait, c'est une petite ombre qui va très vite. Ah non, mais c'est ça. Ok, c'est le DOT. Ouh, putain, je l'ai vu. DOT. C'est un gorillo. Eh ben, nom de Dieu, tu nous as donné un sacré challenge, mon gars. Allez. Oh. Regardez, vous avez vu? On l'a vu. Oui. C'est gagné. Allez. Et voilà. Po, 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 po. Aïe aïe aïe. Allez, je l'ai vu. Ouais, ouais, mais je te sais, mais j'étais à côté de toi, je l'ai vu là, je le voyais passer là, il faisait le salaud là sur les. Bon, bah voilà. Ah ouais, il est venu me chercher, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, il est venu carrément me chercher dans la pièce que j'étais caché. Bah moi c'est pareil, il m'a couru après dans le couloir jusqu'à que je décède. Les deux dernières photos qu'il y avait sur l'album, ben c'était les miennes. En train de courir. Voilà. Non bah c'est tout. Je vais mettre fin à la vidéo parce que là ça fait quand même assez long. Je vous remercie en tout cas de votre participation active. Chef, oui, chef. Et ouais. Et puis on s'en refera d'autres parce que là clairement il y a une certaine ambiance assez voilà quoi. J'ai bien. Comment on appelle ça en québécois ou en anglais? Une ambiance creepy. C'est creepy. Voilà. Ouais, creepy, pas creaky. J'ai pas dit creaky. Oh, qu'est-ce que tu dis toujours bien.
Voilà. Non, bah c'est tout. Des bisous. N'oubliez pas de vous abonner. Commentaire, partage, et voilà. Oh, non, ouais. Le like. On dit toujours bisous avec la langue. Et si bisous avec la langue, voilà. Ouais, merci. Du Québec. Oh, ouais. On aime ça de même.